Si tu n'es pas fort, tu vas pas être jaloux. Là maintenant, elle utilise maintenant. Mais les émotions, c'est une faiblesse. Elle utilise cette faiblesse à contre toi. À chaque fois qu'elle va te demander quelque chose que tu vas pas faire, à chaque fois qu'elle va vouloir quelque chose de toi que tu vas pas faire, elle va taper à ce point-là pour te rendre jaloux, pour te rendre émotionnel comme une petite bitch. Thank you, my guy. Ouais, les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. Voilà. Les gars, il y a un truc que les gens ne comprennent pas depuis que j'explique. Depuis YouTube en fait. Il faut pas qu'une femme te rende émotionnel. Voilà. Il faut pas qu'une femme te rende émotionnel. Tu n'es pas supposé montrer des signes d'émotion. Tu comprends un peu? Je vous ai déjà dit que les shit tests que les femmes font, c'est pour tester en fait votre confiance en vous. C'est pour tester votre confiance en vous. Donc quand tu agis de manière émotionnelle là, tu commences à agir comme une femme, comme une femme, bitch. Comme une en fait, ce que tu comprends pas, c'est quand tu es émotionnel là, son attraction pour toi descend. Claire. Quand tu es émotionnel là, son attraction pour toi ne fait que baisser. Mais moins tu montes d'émotion, son attraction pour toi ne fait que monter. Pour ça, il y a certains gars qui m'approchent et puis me disent que non. Donc, au début là, c'est elle qui me poursuivait, c'est elle qui me poursuivait, elle me disait rien. Mais elle a fait quand je suis devenu fan d'elle. Tu comprends pas? C'est parce qu'en fait, au début, tu ne montrais aucun signe d'émotion. Claire. Qu'elle était fan de toi. Claire. C'est parce que tu ne montrais aucun signe d'émotion qu'elle te poursuivait. Maintenant que tu as commencé à montrer des signes d'émotion, tu vois qu'elle s'éloigne. Tu comprends pas, tu dis elle devient bizarre, elle devient pas bizarre, c'est toi qui deviens une bitch. Tu comprends un peu? Voilà. Donc arrête de montrer tes émotions aux femmes, parce qu'aux yeux des femmes, les émotions c'est une faiblesse. Elles font des shit tests, souvent les shit tests sont inconscients. Les shit tests sont inconscients, elles se disent pas que je veux tester lui-là. Elle est programmée pour tester celui-là. C'est sa nature. Et c'est pas quand je dis nature. Si les gens comprennent bien le phénomène de nature, le concept de nature, une nature, c'est quelque chose qui est en toi, c'est ancré en toi. Le chien, sa nature, c'est d'aboyer. Peu importe comment tu apprends au chien à miauler, quand il va ouvrir la gueule, ça va sortir. Wow, wow. Claire. C'est ça la nature. Voilà, c'est ça la nature en fait. La nature, tu peux pas combattre la nature. Pour ça qu'on vous dit, tu vas beau, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu peux lui apprendre à se tenir dans quelques sciences, mais après là, ça va revenir. C'est ça la nature. Pour ça que tu dois comprendre la nature féminine. Les femmes elles-mêmes ne se comprennent pas. Il faut que toi tu les comprennes. Quand tu demandes à une femme, si est-ce que quand un gars a beaucoup de goût, ça te plaît, va dire non, moi n'aime pas les gars que beaucoup de gars courent, beaucoup de femmes courent derrière eux. Elle va te dire ça. Mais quand tu as la rencontré et puis elle va voir que plein de gars sont sur toi, elle va commencer à te poursuivre encore plus. Claire. Parce qu'elle même, elle se comprend pas. Claire, effectivement. Elle même, elle sait pas ce qu'il a dit. Effectivement. Donc quand tu montres des signes d'émotion, quand tu montres à la femme que je suis jaloux, son attraction descend. On n'a pas dit de ne pas ressentir la jalousie, non. On n'a pas dit ça. Tu ressens, mais elle ne sait pas. Tu ressens, mais tu restes calme. Et puis tu dois arriver à un niveau tellement non limite que tu ne ressens plus la jalousie à un tel point. Parce que tu n'en as rien à foutre. De toute façon, tu seras remplacé, petite. Claire, remplacé. Deke. De toute façon, tu seras remplacé. Shit. De toute façon, tout à l'heure, mais va Olivia. Claire. De toute façon, il appelle Samir à 19h. Au calme. C'est ça la science. Claire, zo. Donc tu ne montres pas d'émotion. Elles font des choses. Parce que c'est à partir de cet instant que la femme commence à jouer avec toi. Pourquoi? Parce que, en fait, quand elle fait son shit test, le shit test est inconscient. Elle te teste inconsciemment pour voir si tu es jaloux. Mais quand elle le fait et que tu réponds de manière jalouse, là maintenant, c'est conscient. Là maintenant, elle comprend que, oh, lui, il est fan de moi. Parce que si tu n'es pas fan, tu vas pas être jaloux. Si tu n'es pas fort, tu vas pas être jaloux. Là maintenant, elle utilise maintenant. Mais les émotions, c'est une faiblesse. Elle utilise cette faiblesse à contre toi. À chaque fois qu'elle va te demander quelque chose que tu vas pas faire, à chaque fois qu'elle va vouloir quelque chose de toi que tu vas pas faire, elle va taper à ce point-là pour te rendre jaloux, pour te rendre émotionnel comme une petite bitch. Thank you, my guy. Vrai ou bimé. C'est le game. Claire. C'est ça le game. Donc même si je suis jaloux, je ne monte pas.
Même si elle chauffe mon cœur et quitte devant elle. Même si elle fait des bêtises, je la regarde pas. Voilà. Il y a une de mes gars à go agissait mal deux jours. Elle lui a dit, bro, mets-la sur ice. Claire. Tout ce qu'elle fait, tu vois pas. Claire. Elle t'envoie des messages, tu vois, tu regardes, tu réponds pas. Tu la laisses comme ça. Elle va pas aller quelque part. Même si elle s'en va quelque part, elle t'a perdu. C'est fini. Pourquoi vous comprenez pas que c'est vous, c'est les femmes qui vous perdent, c'est pas vous qui perdez les femmes. Claire. Mais de toute façon, tu vas devenir millionnaire. Claire. Pourquoi tu comprends pas ça? Sa valeur n'est pas basée sur l'argent. Sa valeur n'est pas basée sur l'argent. La valeur d'une femme n'est pas basée sur ses ressources. Parce qu'à la base, quand on cherche femme, on ne cherche pas femme pour qu'elle prenne soin de nous. Jamais. Mmh. Un garçon ne cherche pas femme pour qu'elle prenne soin de lui. C'est femme qui cherche garçon pour qu'elle prenne soin de lui. Pour qu'il prenne soin d'elle. Voilà. Vous savez savoir si tu es riche. Vous savez savoir quel travail tu fais. Parce que dans sa tête, dans son corps, dans sa nature, il y a l'hypergamie qui veut savoir est-ce qu'il peut prendre soin de moi. De toute façon, elle te paie. Tu la paies pas, cousin. Vous avez besoin. Vous avez pas besoin de femmes. Vous voulez les femmes. Vous comprenez pas la. Genre, vous arrivez pas à faire la distinction. Vous avez pas besoin des femmes. Vous les voulez. Elles ont besoin de vous. En anglais, il y a le verbe need. Elle a besoin de toi. Toi, tu la veux. C'est deux choses différentes. Parce que quoi? C'est maintenant parce que les femmes travaillent, elles arrivent à s'offrir certaines choses. Donc, elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de toi. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Tu comprends un peu? Avant, les femmes ne travaillaient pas. Donc, les femmes avaient besoin, en fait, de l'homme parce que sa survie dépend de cet homme-là. Si elle va manger le soir, ça dépend de cet homme-là. Si elle va être protégée, ça dépend de cet homme-là. Donc, elle a besoin de toi pour sa survie. Mais c'est toujours la même chose parce que qu'est-ce que je vous ai dit? La nature est imbattable. Elle peut te dire que je n'ai pas besoin d'un homme, mais sa nature réclame un homme. Claire, c'est sa nature réclame un homme. Quand tu comprends ça, c'est trop chic. Sa nature réclame ça. Tous les hommes maintenant sont désespérés parce que ça, leur nature, la nature de l'homme réclame en fait des accomplissements, mais il veut pas se battre, il veut rien accomplir. Il se lève matin, il se bolo et puis il se couche. Il regarde les jolis gosses Instagram et puis il se couche. Il se sent malheureux parce qu'il ne poursuit rien. La nature d'un homme veut bâtir, la nature d'un homme veut construire, la nature d'un homme veut conquérir. Voilà. Faut qu'on comprenne ce genre de choses-là. Ça c'est la nuance. C'est ça que les gars n'arrivent pas à comprendre. Donc là, tu es là. Ta nature veut conquérir. Un gars qui est vraiment occupé à bâtir, un gars qui est vraiment occupé à construire, sans le vouloir, automatiquement, les femmes deviennent plus. Genre, elles deviennent petites dans ton programme. Un mort qui doit construire 12 immeubles. Un gars qui doit construire 12 immeubles, qui doit construire 7 pays, il doit bâtir, il doit conquérir 7 continents. Mais une go vient veut pas mon quoi. Et puis tu pleures. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Tu vas contre ta nature. Tu comprends pas la science. Voilà. Tu dois rester stoïque. Avec les go, faut rester stoïque. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Les gars qui réagissent pas. Les gars qui réagissent pas. Si tu réagis, peut-être c'est un manque de respect que tu coupes à la racine. Voilà, ça c'est une réaction qu'elles apprécient. Les gars qui sont légèrement agressifs, tu leur dis que ça faut plus jamais faire avec moi, sinon ils te laissent. Voilà, ça c'est les principes que tu respectes, tu tiens dessus. Tu comprends un peu? Voilà, il y a tout ça là-dedans. Il faut que tu comprennes ça, bro. Ne laissez pas les boulots vous rendre émotionnel. À chaque fois qu'il est émotionnel, elle perd l'attraction. Quand tu es émotionnel, ça l'éloigne. Quand il réagit pas, elle vient. S'il réagit pas, elle vient. Lui, mais il peut. Mais même si elle est dans ta tête, tu agis comme si elle n'était pas dans ta tête. Claire. C'est ça. C'est, je vous ai dit, c'est le semblant. C'est le semblant. Parce qu'une go peut t'apprécier. Elle peut être fou. Et puis tu vois qu'elle fait semblant. Claire. De fou malade. Elle fait semblant. Après, elle fait semblant. Tu sais que cette go-là, tu la sens. Mais non, tu fais comme si tu t'en bats les couilles. Claire.
Tu fais comme si tu t'en bats les couilles, tu la rends un peu insécure en fait, bro. Voilà, elle s'habille bien pour venir te voir. Puis tu dis, oh, aujourd'hui, à même, tu n'es pas trop sapé. Claire. Elle n'apprécie pas trop pour aujourd'hui. Elle devient insécure. Claire. Elle travaille encore plus. Tu la mougouilles quand tu dis, oh, aujourd'hui, à même, elle n'est pas trop kiffé. Tiens, vois, elle va commencer à monter sur toi. Insécure. La plupart des gars qui ne veulent pas en fait jouer à ce jeu, eux, elles vont jouer à eux. Parce que si tu ne joues pas, elle va jouer. Il n'y a pas de neutralité avec les femmes. Il n'y a pas de neutralité avec les femmes. Si tu ne lui fais pas, elle va te faire. Claire. Quelqu'un doit dominer quelqu'un. Attends, il ne pense pas qu'un homme veut être dominé. Les femmes même savent qu'un homme ne veut pas être dominé. C'est les bêtises de l'Occident qui sont venues pour faire rentrer dans la tête des gars là que non, tu dois dominer un homme. Mais en fait, même quand elle domine un homme, elle n'est pas heureuse. Sa nature, je vous dis la nature en la femme veut être soumise. Claire. C'est Dieu qui a mis en elle en fait la soumission. Elle peut dire je veux pas, hein. Mais quelque part elle est malheureuse parce que ça, elle va contre sa nature en fait. Tu comprends un peu? À cause de ça que vous pouvez voir une femme de 45 ans, 50 ans, elle n'est pas mariée, elle est malheureuse. Elle peut avoir des enfants, mais elle n'est pas mariée, elle est malheureuse. Parce que sa nature réclame un homme à qui elle se soumet. Voilà. Les femmes, parce que les femmes, maintenant, elles pensent que réussir, en fait, dans le monde du travail, ça veut dire que tu as réussi ta vie, en fait. On ne voit pas ça comme une source de réussite, en fait. Nous, les hommes, on ne voit pas le succès des femmes dans le milieu du travail comme une source de réussite, en fait. On voit une femme qui tient bien son foyer. On voit une femme qui est très bien avec son mari, qui s'occupe des enfants, qui est très bien. Voilà, vous comprenez un peu. C'est comme ça que tu dois agir, et les femmes, sans émotion. Mais après, en fait, ne vous dites pas aussi que parce que tu n'es pas émotionnel, tu ne dois pas montrer de l'amour à ta go, en fait. C'est la balance qu'il faut trouver. Il y a des joueurs qui veulent créer des problèmes. Tu la regardes, ouais, crie, et puis tu quittes devant elle. S'il Elle finit Casson. Elle crie quand tu quittes devant elle. Casson. Elle va tourner, ce qu'elle va venir te dire, je m'excuse, je savais pas ce qu'elle faisait. Tu as dit, il n'y a pas de problème. Elle va tourner, ce qu'elle va créer des problèmes. Pendant tout ce temps, toi tu es là seulement, tu ne bouges pas, tu la regardes. Tu la regardes, elle monte, elle descend, tu es calme. Elle revient, elle descend, tu es calme. Elle fait ci, elle fait ça, tu es calme. Elle comprend que je peux faire confiance à ce gars-là, il n'est pas émotionnel. Comprends un peu, mais quand elle est jalouse, toi aussi tu es jaloux, elle est nerveuse, toi aussi tu es nerveux, elle est comme si, toi aussi tu es comme ça. Qu'est-ce qui conduit qui? Il est perdu. Qui conduit qui en fait? C'est ça la science. Il faut que quelqu'un conduise quelqu'un, mais tout ça ce sont des jeux qui se passent dans la tête, on ne dit pas. La seule fois où tu lui dis, c'est quand elle rentre dans les trucs qui ne vont pas en accord avec tes principes. Tu lui dis, hey, ça là, faut plus faire. Sinon, la plupart du temps, tu lui dis rien même. Tu comprends et puis tu appliques en même temps. C'est ça la science. C'est ça la science, les gars. Je vous ai dit ici, c'est Robocop TV. Ne laissez pas les vouloir rentrer dans vos émotions. Si tu as un problème là, faut dire ça à ton ami. Ah, ma petite, elle commence à faire bizarre. Et peut-être un conseil, il faut jamais dire ça à ta go. Faut jamais dire ça à ta go, et voir les bêtas qui sont là. Que non, bébé, la dernière fois, tu m'as vraiment fait mal. Hein, bébé, hein? Oh, elle sait bien, t'as fait mal. Faut pas t'appeler son sac à mettre des mains, t'as voir le mal qu'elle va te faire. Claire. Tu comprends un peu? C'est ça la science. Ne laissez pas les gros là pour être émotionnel. Moins tu es émotionnel, plus elle est fond. Plus tu es émotionnel, moins elle est fond. Voilà. Bon. Tant. Voilà. Valo. Vélo. Aucune émotion possible.